Brexit maintenant en Angleterre, comment ça se passe? Bon, bah, c'est plus clair, c'est plus simple, hein. Parce que, non, attends, ouais. Non, mais ça paraît compliqué comme ça, mais en fait, pour ceux qui n'ont pas suivi, bon, vous savez que les Anglais voulaient sortir de l'Union Européenne, donc ils ont voté non. Mais bon, après, il y en a qui ont dit, ouais, mais bon, alors du coup, Theresa May, c'est leur ministre, la première ministre, elle a dit, bon, ben, mais ce qui se passe, c'est que, parce que, oui, non, il y a 5 millions de gens dans la rue qui disent, ouais, non, on n'est pas d'accord. Et, alors, bon, mais c'est simple, hein, c'est simple. Alors, le Brexit, pour comprendre. Alors, ils veulent, mais pas tous, alors, mais il y en a beaucoup, mais d'un côté aussi. Donc, du coup, ce qui fait que, la reine, bon, la reine, et du coup, bah, alors, ils ont fait une pétition, et, on n'est pas d'accord, et les autres, bah, aussi, et tout, alors, du coup, on sort pas comme ça de l'Union Européenne, c'est compliqué, parce qu'ils ont signé des accords, mais c'est simple, c'est, quand même, là, ça devient plus limpide, quoi, plus clair, c'est, alors, bon. On efface tout et on reprend parce que là j'ai l'impression que vous avez décroché. Le Brexit.